tu préfères manger dans le pire restaurant ou dans le meilleur mais? Eh bien aujourd'hui, on va devoir faire des choix et affronter ce nouveau concept et c'est aller beaucoup trop loin. Les règles sont simples. Chacun d'entre nous devra choisir entre un truc horrible ou un truc génial, mais avec une contrainte qu'on découvrira en même temps que vous. Nico, ouais, est-ce que tu préfères manger un giga tacos maintenant en entier ou un tacos M, mais? Je t'avoue, là, en ce moment, je suis un petit peu... Avec la diète. Un petit peu en diète, là. Je pense qu'en vrai, on va tenter le tacos M, mais... Tacos j'imagine M, que, mais... J'imagine que c'est un truc bien. Tu connais les tacos 5 viandes? Ouais. Et ben ah ouais, là... j'en fais, moi. Ouais, t'en fais, toi. Ouais. Et bah ben là, c'est un tacos 5 fruits de mer. Oh, wow. Yeah. Bon appétit. Je dois le finir. Ah. Arrête, frère, arrête. Mais Simon, tu voyages, t'es en vacances. Il y a la sauce fromagère dedans. Oui. Ah bah c'est carré alors. Il y a les frites ou pas? Oui. Magnifique. Il y a quoi comme fruits de mer? Il y a quoi comme fruits de mer, ouais? Alors il y a huîtres, crevettes, bulot c'est sûr. Crevettes grises, ça nous souvient. Comment ça c'est quoi? C'est crevettes Michael Jackson ça? C'est quoi crevettes grises? Oursin. De l'oursin. J'ai jamais goûté de l'oursin. C'est un truc de riz ça, non? Ouais. Pff, magnifique frère. Y'a pas de caviar un peu dedans? Caviar ça n'a pas le budget. La prochaine vidéo. Ah ouais. Mais attends, chef! Mais il y a toujours la tête, la crevette, là! Oh là là! Eh, on a dit on mange, hein! Ah, je vais vomir! Mais tu m'étonnes, ils ont jamais sorti ça! Ils ont emmené à Marseille, hein, ça fait plaisir! Oh là! Parce qu'en fait, moi j'aime pas le poisson. L'huître, Bélec, pourquoi pas une à deux au Nouvel An quand tu vois, ils sont en promo à Leclerc, tu vois. Ouais. Mais... Oh, il y a une odeur. Mais frère, regarde-moi ça, il y a une antenne qui sort. Ça déclare. T'es un vaillant, tu vas à la salle. Ah frère, c'est vraiment, j'essaye. Hugo. Ça, c'est le moment que vous attendiez. Hein. Non, même pas. Est-ce que tu préfères me donner 1000 euros là directement ou avoir 10 000 euros, mais... Aïe. Après, si jamais... Attends, genre 10 000 euros, si je choisis le deuxième... Non, mais voilà, ça va être une douille. Ça va être des euros, ça va être des euros. Waouh. Bah attends, je n'ai jamais... Attends. Wesh. Attends. C'est pas les tiens encore. J'ai vendu mon âme, c'est bon, j'ai reçu l'argent. 10 000 balles, attends. Pas cher ton âme, frère, elle est en promo. So. C'est des faux. C'est pour la vidéo. Donc en fait, attends. Je pars à 10 000 euros. Soit tu me donnes 1000 euros, soit tu reçois 10 000, mais... Donc 10 000 euros, E-U-R-O-S. Oui. Et les 1000 euros, tu peux pas les passer à moi au pire après. Putain, mais par contre, si lui me donne 10 000 euros, c'est qu'en échange, je fais un truc de zinzin. Hein. Tout pour l'entertainment, on prend les 10 000 euros. Et puis pour mon compte en banque aussi. Eh bien super, Hugo. Merci. Félicitations. Merci, 10 000 euros, mais dans la prochaine vidéo, il y aura une pub Pépé Chicken. Je viens de gagner une OP sur la chaîne d'Hugo Posé pour mais Pépé Chicken. Mais moi, je gagne vraiment 10 000 euros? Bah oui. Yes. Quoi? Yes. Mais quoi? Mais moi, je te la fais gratuit la pub, moi. En une heure de tournage, 10 000 euros. Mais moi, ça me va. Mais une vraie pub, hein. On fait une vraie pub. On va augmenter les ventes de Pépé Chicken. Moi, pour gagner 10 000 euros, j'ai dû danser à Dalcy, frère. Et j'ai dû faire la vague devant des millions de personnes. Tu sais, quand ça commence bien comme ça, généralement, l'ascenseur émotionnel, t'inquiète pas, on y a bossé. Charles. Tu préfères te faire couper par le pire barbeur de France et, bien sûr, il a la carte blanche sur toi. Il peut lui raser les sourcils. Non mais... Ça pourrait être pas mal. Un petit taper des sourcils comme ça. Ou te faire couper par le meilleur barbeur de France, mais... Oh là là. Donc, je résume. Soit je vais chez le pire, et en plus de ça, il a la carte blanche. Soit je vais chez le meilleur, et je sais pas ce qui m'attend. J'ai envie de te dire... Bah, dis-moi alors. Go pour le meilleur, au moins, il me fera un truc bien. D'accord. Et c'est quoi le mec? Il choisit la coupe qu'il veut, je crois. Ah mais c'est vous qui allez choisir ma coupe. Donc là, on va pouvoir choisir la coupe qu'on veut de Charles. Donc là, on a le meilleur barbeur. Bah si jamais, hein. Quand t'as fini de lui, tu peux me faire un petit taper après. Je fais tout le monde, je fais même pas trois, je fais tout le monde. Magnifique. Déjà, t'es bien garni parce que je connais pas ton âge, mais c'est vrai que là, les cheveux, aïe, ça tire un peu vers le blanc. Y en a, il perd des cheveux, c'est en blanc. Non, mais moi, j'ai triché déjà, j'ai remis, je suis allé en Turquie, je suis allé remettre. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est vous qui allez choisir. J'ai un crayon blanc et moi, ce que je propose, c'est que c'est vous qui dessinez quelque chose. Mais toi, je t'aime bien, Mathias. Et puis moi, je vais repasser avec la tondeuse, tout ça. Pas mal. En vrai, tu pourrais me souvenir dans ma cause. Moi, je suis allé faire Turquie, tout ça. Et quand ils sont allés me récupérer des greffons à l'arrière, j'avais un trou ici. Voilà, on fait ça. Et pourquoi pas aller faire ça? C'est ça. Moi, je sais qu'il partait de là. Hop, on va essayer d'aller descendre en bas dans la nuque. Et hop, tu lui fais des dents
Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et genre un petit rond là aussi. Genre, ça fait deux yeux qui regardent des yeux de cheveux. Là, classe. Maintenant, on va laisser l'artiste. Putain, je suis jaloux. Limite, no joke, je vais demander la même chose hein, après. Hein. Ça me donne envie peut-être d'y mettre ma patte moi aussi. Tu veux pas me passer la tondeuse? La dernière dent sur le côté, je le fais, t'inquiète. Nico, ne déconne pas. Hein. Non, tranquille. Mais attends, je comprends pas, j'étais censé avoir le meilleur barbeur. Pourquoi j'ai Nico maintenant? Formé par le meilleur barbeur. J'ai fait un stage chez lui. Je commence à m'améliorer là, j'ai envie que tu me laisses encore ton crâne. Non, c'est bon là. Une petite photo. Voilà, c'est bien. 3, 2, 1, go. En vrai de vrai, c'est pas mal, non? C'est dégueulasse. Et oh bah, t'as le meilleur barbeur comme ça. Ce qu'on appelle la coupe dinosaure, taper. Bah en tout cas, ça c'est le genre de coupe que vous aurez pas si vous allez chez Mathias au Barber Factory parce que tu fais mieux. J'essaye de faire mieux quand même. Sauf pour moi. Ça c'est pour moi ça. Bah ouais, comment tu sais que c'est pour toi ça? Il y a une ambiance un peu caliente, ouais, j'aime bien. La grande question c'est, est-ce que tu préfères avoir un date avec ton ex? Non, mais non. Ou avec une top modèle, mais... Nico, il sait déjà. Moi, j'ai bien vu ce qui a marqué. Non, mais pas avec mon ex. Avec une modèle, mais... Ouais, bah très bien, tu auras donc les yeux bandés pendant ce date. Quoi? Et oui. Et tu ne la verras jamais. Tu découvriras cette personne quand la vidéo elle sort. Et vous allez la voir? Et nous on la verra bien sûr. Ouais. Mais oui, mais tu sais quoi? C'est la personnalité qui compte. C'est pas le physique, on va pas être dans le superficiel. C'est vrai, ressemble à quoi ton ex? C'est bonne question. Hugo en date, c'est maintenant et nous on va aller regarder tout ça en haut. Nous. Ouais, c'est bon, on va voir un petit. Attends, vous allez même pas être avec moi. On va voir comment tu te débrouilles hein. Si tu veux, tu sais ce qu'on peut faire? On peut même donner à Hugo un petit AirPod et nous on peut lui parler. Ouais. Mon plan, répéter ce que Nico dit. Ah mais tu vas manger une claque dès la deuxième seconde hein. Aïe 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 aïe. L'arrivée en grande classe. Ok, tac. T'assois. Oui. Il y a la table. Yes. Elle est juste là devant toi. Ok. Table devant toi. Ah mais t'es déjà là? Ben oui. Je savais pas qu'elle était déjà là. L'habitude d'arriver dans des dates où il est tout seul ou quoi? C'est quoi ton prénom? Alex, je suis ravie de te rencontrer finalement. J'ai l'impression d'être dans le restaurant, dans le noir, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais un peu. Il parle de ses anciens dates. Ah, tu vois, c'est ça. Plus de ça, j'ai pas trop l'habitude, tu vois, de faire des dates et tout, donc là, je suis en paf. Bah alors, qu'est-ce que tu fais si tu fais pas de dates? Bah écoute, je suis modèle. Ça veut dire quoi, modèle? Je fais des shootings, par-ci, par-là, ouais. Petit cocktail de bienvenue. Waouh, merci. Ah, ils sont bien. La classe hein. Carrément, on a un cocktail. Ouais. Il a failli tomber le cocktail. Là, ça va être le moment où je suis censé trinquer avec toi. C'est quoi, on trinque? Ouais, allez. Attends, il est timide, le trinquage, là. Alors, attends, déjà, est-ce qu'il est bon, le cocktail? Bah, ça va, qu'il abuse, sort la langue, carrément. Y'a pas d'alcool. Toi, tu fais des dates sans alcool. Bah ouais. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Oula, qu'est-ce qu'il y a? Il fait des dates avec alcool, lui. Est-ce que je peux toucher, à la rigueur, tes mains, à défaut de te voir? Touche mes mains. Enfin, ça me... Ouais, de fou. Ça fait bizarre, hein. Ah, tu portes des bijoux? Des bijoux. Finalement. Pas mal la bague, attends. Ok, d'accord. C'est un peu particulier, Hugo, mais. Bah non, mais. Non, mais y a pas de. J'essaye de me dire, y a peut-être. Tu veux savoir comment je suis un peu? Ah ouais, t'es à l'aise, hein. T'es à l'aise. Bah, de deviner. Un peu à quoi je ressens. Déjà, t'as une voix douce, mais en même temps un petit peu complice, tu vois. Non, j'ai le sentiment que je pourrais faire des conneries avec toi. Mais attends, mais tu dis ça avec la main dans le slip ou quoi là? Un truc qui pourrait être sympa à poser comme question, c'est genre combien tu gagnes par mois? Ah oui, c'est vrai. Tu gagnes combien par mois? Moi, je gagne combien par mois? Ouais. C'est une chouille indiscret, Hugo. C'est vrai. Combien je gagne par mois? Bah, c'est assez variable, je dirais entre, 3 000, 4 000 par mois, quoi. Ah d'accord, tu bectes quand même, hein? Ouais, non. C'est pas mal, c'est hein. Plaisir. Demande-lui pourquoi elle te demande pas et toi? Moi, je m'attendais à ce que tu me poses la question sur l'argent, du coup, mais visiblement... Non, parce que je suis pas trop... Dis que tu vas répondre quand même. Si, mais dis que t'as envie qu'on te pose la question, justement. Non, mais du coup, je vais répondre quand même. Moi, bon, ok, réponds, y'a pas... Un peu plus de 10 000 euros, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Okay. Je vous propose un risotto maison à la truffe. Ah, oh, waouh, trop cool. Demande-lui qui c'est qu'elle a voté dernièrement au présidentiel. Mais je rebondis dessus, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, mais t'as voté pour qui, toi, aux dernières présidentielles? Bah, je te retourne la question, finalement. Pourquoi? Bang, bang! Non, mais passons, c'est, oui, c'est pas important. Oui, non, en fait, c'est pas forcément nécessaire. Alors, attends, il va falloir que tu me guides, Alex, ouais, parce que... Je te...
Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je t'aide? Bah, c'est-à-dire tu vas prendre mes mains et tu vas me les diriger. Qu'est-ce qui bricole? Histoire de m'accompagner pour pouvoir manger, tu vois. Bah déjà, attends, hop là, tu vois déjà, moi là, je sens un truc, tu vois déjà. Tu vois, tac, hop là, là t'as l'assiette. Ouais, et là je peux manger. Oh, tu sais quoi? Regarde, dis-lui, moi aussi j'ai envie de le faire pour toi. Non mais tu sais quoi, moi aussi j'ai envie de le faire pour toi. C'est vrai? Ouais. Quel bonheur, attends. Hugo. Alors attends, là, il va falloir que je fasse quelque chose. Oh, elle a mis dans un bourbier, la pauvre. D'ailleurs, c'est une actrice qui a été rémunérée pour être là. Donc voilà, je le précise. Ok, donne-moi la fourchette. Demande-lui si c'est son meilleur date. C'est ton meilleur date, non? Là, c'est le meilleur date. C'est celui qui sera le plus marquant pour toi, ouais, Alex. Je pense. Allez, 3, 2, 1. Oh là là, la classe. Tout ce qu'elle répond, Hugo. Tu vas dire j'ai fait. Moi j'ai fait. T'es allé où aux États-Unis? Moi? Ouais. J'allais à Miami. Ouais, j'ai déjà fait. J'ai fait Brésil. Déjà fait. Moi j'aimerais bien au Japon, tu vois. J'ai déjà fait. Ok mec. Waouh, on pourrait le refaire. Pourquoi pas? Explique-lui que toi t'es youtubeur et que c'est ta communauté qui va valider, donc à 100 000 likes, tu valideras ce date. Tu m'as pas demandé du coup ce que je faisais. Ah, il l'amène bien. Moi je suis youtubeur. Mm-hmm. Et en fait, c'est ma communauté qui va décider le sort de ce date. Est-ce qu'on va continuer ensemble? Du coup, à 100 000 j'aime sur cette vidéo, on continuera, on fera le deuxième date. Bah pourquoi pas. Essaye de t'énerver et demande le dessert. Bon. Waouh. Non, mais là, c'est agassant. Non, je suis impatient. Merci monsieur. Un dessert à partager de saison. Le dessert. Tu iras le taper directement avec les mains. D'accord. Tu veux peut-être goûter? Ouais, vas-y, je vais goûter. Okay. Attends, il est où le dessert? Et attends, je veux juste. Il a dépassé nos attentes. Il a rien compris. Putain, Hugo, c'est. Ah, c'est hyper romantique. T'avais oublié ça? Ah, oh, waouh. C'est hyper mignon. C'est pour toi. Je t'ai même pas demandé, toi, les dates et tout. Oh, moi, tu sais, non, c'est pour ça que je suis un petit peu maladroit. Ça doit être le deuxième ou le troisième que je fais dans ma vie, donc... Les menteurs. Demande-lui. Est-ce que si la communauté est d'accord, est-ce qu'elle, elle veut faire un deuxième date? Il y a une question que je t'ai pas posée. Si la communauté le veut, est-ce qu'on va en deuxième date? Bah ouais. Donc toi, tu serais chaud? Bah ouais, de fou. Bon bah alors, let's go. Eh hey, les gars, vous savez quoi faire? On se fait la bise? Bah ouais, quand même. Arrêtez hop là, ouais, hop là. Bah, à plus. Peut-être à la prochaine. Bon, ça va dépendre de la communauté. Viens nous, on va aller voir. Ah, il est bon le Hugo. Tu peux retirer? Ouais, tu peux retirer. Là, je retire là. Ouais, tu peux retirer. Waouh! Attends, elle est plus là! On dirait qu'elle a pas existé, mon gars! Tu sais que le seul moyen que tu puisses revoir cette personne, c'est si à les 100 000 j'aime. On fera un épisode 2. Vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez là? Regardez ce que j'ai dans la main. Nico, tu préfères être pieds nus le reste de la vidéo, jusqu'à la fin, sachant qu'il nous reste encore 12 heures. Allez, j'ai pas envie de me retrouver comme Doumbé avec une épine dans le pied. Ah. Donc tu préfères être pieds nus le reste de la vidéo ou tu portes des chaussures, mais... Ouais, voyons. C'est quoi, des chaussures avec des huîtres dedans, des fruits de mer, quelque chose, un truc comme ça? On doit sortir. Ah, je me dis, pieds nus, c'est dur quand même. T'es sûr? Ah, je me dis c'est dur. Donc tu choisis le deuxième truc? Ouais, je choisis les chaussures. Ah pardon, j'avais pas capté qu'on avait la séquence. Et dans ce cas-là, ce sera des chaussures de clown. C'est-à-dire? Oh, la paire de sabbat, elle tue! Oh, mais je peux les garder carré, moi, c'est incroyable! Les mythes, c'est comme être pieds nus, hein, t'es mal à semelle! Vas-y. Oui! Mais attends, mais c'est des claquettes! En vrai de vrai, avec le jean qui tombe sur la paire, il se rassure comme il peut. J'espère juste un truc, c'est qu'après on va pas se faire recaler, hein, parce qu'on va dans de beaux endroits. Ah ouais? Pourquoi on se fait recaler? Pourquoi en vrai? C'est qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas dans mon flow? Au hasard les chaussures. Ah, je marche comme ça. Par contre la paire, je pense qu'elle a 3 jours de durée de vie, hein, parce que je sens qu'elle est... Elle est assez... Ça serait énorme, ça fait un trou. La chaussure, elle dit bonjour. Elle parle. Allez. Je vais aller les attacher et on y va. Moi j'explique. Il y a un autre défi qui va se passer là. Alors mon Charles, tu préfères boire la pire boisson du monde ou un Pops, mais en sachant que toi, t'as quand même, comme je disais, une vraie gorge de Doberman, t'as quand même goûté plein de choses. Genre là, la boisson, elle est vraiment horrible. Grosso modo, c'est un mix de tous les trucs dégueux qui traînent dans le bureau. Ok, bah super, ce sera un Pops. Ah. Du coup, tu es habillé en canette Pops. Il va être mascotte Pop. Non, mais pas pendant tout le reste. Non, pas pendant tout le reste. Ouais, mais moi, j'ai envie de voir. Oui, mais c'est... Ouais. Mais c'est archi... Mais c'est archi grand. Mais attends, c'est quoi ça? Mais t'es mal à la chaussure. Moi, je suis jaloux, c'est frère. Ça, ouais. Je suis jaloux, t'es mal à ma paire. T'as la tienne, elle est plus stylée. Oh là 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 là. Je sens qu'on va avoir un banger en termes de mascotte. Mec, c'est énorme. Mais attends, mais... Oh là là.
Ah, le banger. Eh, hey, faut en acheter des pops, là, hein. Faut en acheter, hein. Je crois qu'il y a un mec qui s'est fait douiller sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Regardez la team de choc. Zoom sur les chaussures de Nico. Ouais, c'est là, Nico, du coup, ses pompes, elles passent inaperçues. Bah, je marche ça, tu veux une canette? Oh, mais moi, j'ai trop soif. Oh, merci. Non, mais moi, je veux pas ça. Je vais me retourner, il y aura plus rien. Merci. Regarde, regarde. Le problème, c'est que ça va durer 2 secondes, là. Prenez tout, prenez tout. On a plus de canette, ça a duré 2 secondes. Eh, hey, c'est bon, quoi? Vas-y. Quoi, ça fait arrêter. Bah, c'est pas mal, celle-là, c'est la meilleure pour moi. Moi, j'en ai une perso après, mais bon, c'est pas une compétition, bien évidemment. En vrai, c'est incroyable, mais ils sont trop vifs, les par abonnés. Contre, ça... Un cargo, mais ça vend de fou. Moi, je dis pour Hugo, est-ce que tu préfères te rendre à la prochaine destination avec le pire véhicule possible ou une limousine mais... La classe. Alors là, une limousine mais... Hugo, je pense qu'à mon avis, il en a déjà pris 5, 6, okay. 7 des limousines. Okay. Venez voir, attends, viens voir, viens voir. Attends, non, ne me dis pas, elle est là. Vous l'aviez préparé? Oh, ah. Attends, avant, avec le mais. Ah oui, Et non oui. Oh non. Si tu veux l'annoncer, vas-y, annonce-le, mais. Si j'ai une limousine à l'air. Mais tu cours derrière. Quoi? Eh oui. Nous, avec Nico, on va aller se mettre dans la limo. On va à Boulogne, on en a pendant pour 1 heure, là. Hugo, t'es le boss. Non. En tout cas, moi, je vais me changer et on se retrouve dans la limo. Ouïe, le chef. Dis-toi, il y a un gars, il va voir une limousine aujourd'hui, il va courir après. Bonjour. Bonjour, chef, vous allez bien? Oh, c'est une maison. Mais attends. Ouais, je suis plus grand que mon appart. Oh, ouais. Oh, j'ai mis la main, c'est tout confort. Oh là là. Et moi? Non. Vas-y, vas-y, sors. Non, sors, s'il vous plaît. Tu vas où, ma gueule? Va derrière. Putain, je suis toujours le dernier qui est choisi en sport. C'est ça le problème. Ouh. Wesh. Magnifique. Allez. Ah, c'est bon, l'alcoolique là-bas. Hey, c'est génial, mais. Hein. Non. On est vraiment pas invité à la soirée. Oh là là. Oh, l'ambiance de... Ça donne envie de se mettre tout nu, là, quand même. Hein. Si j'essaye de m'accrocher à ça. Mais le cadreur aussi, il court, du coup. Donc là, s'il freine soudainement, on est fini, toi et moi. C'est pas la meilleure idée qu'on ait. Ah, c'est magnifique. Eh, petit verre de champ. Ah, oh, bah, j'allais te le proposer. T'as les personnes qui travaillent à gauche, ils doivent se dire, mais qui est, pourquoi ce mec court? Eh, je sais, mais ils m'ont pas invité. Surtout qu'Hugo, il sait pas que, genre là, on en a pour 45 minutes. Hein. Aïe. Ah, ce serait marrant, par contre, qu'il pile, il se prend la... il se prend la bagnole. Nous, on chine avec Nico parce qu'il arrive sur YouTube. Allez voir sa chaîne. Et moi? Accélère, chef, je suis pas accéléré, appuie sur le champignon. Ah oui, Bon, alors là, on est mort. Les gens, allez vous abonner à la chaîne de Nico. À 100 000 abonnés sur sa chaîne, je le mets archi bien. On va faire un truc incroyable. Et à Justin Bieber, hein. Là, ils doivent être en train de kiffer actuellement. Ouais, c'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa. Ah, c'est pas bon, le... Ils sont arrêtés. Salut. Ça va? Montez, s'il vous plaît, par pitié. Y a plus de place, frérot. Sérieux? Si on a pris une limousine, c'est pour être à l'aise. C'est pas pour qu'on soit serré, quand même. Eh, si on divise par deux le montant de l'OP, tu viens. Ça veut dire que tu cours pour 5000 balles, ça va? S'il vous plaît, je vous en supplie. Allez, vas-y. Vous montez? Allez, c'est bon. Allez, vas-y, rentre. Première fois que j'ai dans une limousine. Là, je vais te dire, là, on a juste le temps de regarder ce que c'est le prochain génial mais et on arrive. Hein. J'ai le petit papier dans les mains. Je vais zioter un petit coup comme ça. Ouf, Charles, troisième manche. Tu préfères manger dans le pire resto de Paris? Ouais. Un pépé chicken, mais... Je vais peut-être faire un choix qui va peut-être vous surprendre. Parce que, en fait, Pépé Chicken, j'ai pas envie qu'il y ait un mais. Oh là là, l'artiste qui veut pas qu'on touche à son œuvre. Donc, nous allons direction le pire restaurant de Paris. Quand ça, c'est le pire resto de Paris, moi j'ai bien envie de voir les avis. Une arnaque totale. Un des pires cafés de Paris, pas un serveur non agréable. Le service est d'une longueur inouïe, les prix sont exorbitants. Pas mal. Coca mélangé avec de l'eau comme dans les fast-food, c'est honteux, du vol, je vous le déconseille. Bon bah on va... Enfin je vais bien manger. Bah régale-toi, c'est important. Prépare-toi à manger de la bouffe congelée, des trucs comme ça. Bon les gars... Comment tu définirais ton style? Je sais pas, mec de cité, simple... Là, je vous ai pris des petits accessoires un peu en mode espion parce que là... Ça, cette clé de voiture et cette montre, c'est des caméras. Ah, t'as dit que j'avais des lunettes espion? Ouais, t'as des lunettes espion. En gros, on va aller filmer en caméra cachée. On fera peut-être un ou deux plans avec l'iPhone. En tout cas, on s'apprête à tester le pire restaurant de Paris. Enfin, pas vous, mais moi. Bonjour. Bonjour. Possible de manger pour 4? Ouais, bien sûr. Ah, frère. Merci. 14 euros le milkshake.
C'est super cher. Hein. Moi, j'ai envie de tester le camembert rôti. Tu peux prendre. Hein. Oui. Il faut la manger. Hein. Vous avez, tout le monde a choisi. Ouais, c'est bon. Bah, moi, je vais vous prendre un Coca Zéro, s'il vous plaît. Petit, moyen. Petit. Moi, je vais vous prendre un chocolat. Allez. Pour la food, on va prendre une fois 6 escargots en entrée. Et après, je vais prendre le cheeseburger avec les frites. Ta cuisson ? À point. Ouais. Moi, je vais vous goûter votre crêpe. Crêpe au caramel beurre salé. Bon bah pour l'instant, en vrai, service plutôt nickel, hein. Franchement, tout se passe bien, mais... On n'a pas encore mangé. On n'a pas encore mangé, c'est vrai. Oui, c'est bon moi, s'il vous plaît. Okay, c'est bon. Merci. Allez, merci. Je vous en prie. Déjà, il y a un truc, c'est que je suis le seul, mon truc, ça se voit, ça donne pas envie. Ça se voit, il pétille pas le coca. En fait, je t'explique, on dirait tellement du sirop. Attends, no joke, je vais goûter, j'espère que c'est pas comme dans le commentaire. Alors ? Alors, en soi, c'est buvable. Mais gros, si ça, c'est un coca zéro... Je peux goûter ? Ah oui, oui, en fait, c'est le coca, on dirait quand tu l'as laissé ouvert dans ton frigo. On dirait du soda stream. Ouais, putain, il est trop chaud. En vrai, niveau boisson, correct, sauf le prix. Et surtout pas le coca, parce que moi, le coca, il pétille pas. Oh là là, ça arrive, ça arrive. Oui. Magnifique. Les escargots. Ah, parfait, merci. Et le cheeseburger. Oh. Mais Charles, j'ai une petite question. Le coca, c'est pas du coca, techniquement. Si, c'est du coca, sauf qu'il a la pression. Comment ça, il stresse? Comment ça, il a la pression? Il est à la pression. Non, il a la pression. Ah, c'est pour ça. Merci. En vrai, je pense que c'est le moment de tester un peu les escargots. Non, moi, j'aime pas. C'est dégueu ou c'est... Ah, c'est pas... En fait, pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est mangeable. Mais par contre, c'est moins pire que sur les avis. Alors, les frites? Les frites sont bonnes. Juste, le burger, il a l'air... Il a l'air bon. Après, je vous avoue qu'il ne hype pas trop non plus. Ouïe, ça le tabasse tous les jours, moi. Ouais. En fait, c'est comme tout le reste. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment loin d'être bon. Quand on va voir l'addition, on va avoir très très mal. On a pris 4 boissons, une crêpe, un burger, une entrée. Moi, je sais. 42 euros. Toi, tu guesses combien? 65 balles. Wow. Moi, je guess 70. Quoi? Let's go! Eh bien, au final, ce pire restaurant, c'était pas si pire que ça. Moi, bon, c'était pas... ça va. C'est vrai que qualité-prix, on s'est fait arnaquer. Bah, c'est trop. Bon, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Je te vois avec un papier, là, depuis tout à l'heure. Ça, c'est pour toi, j'imagine. Non, c'est pas à mon tour, là. Non. C'est à toi, là. Hein. Là, c'est à toi. Comment? Tu préfères être dans une catapulte qui va te projeter à 100 mètres de haut ou aller à un stand-up, mais... Ça, une catapulte qui me projette à 100 mètres de haut. C'est, je suis attaché, je suis quelque chose ou juste je meurs? Le stand-up, si c'est pour arriver là-bas et qu'on me dit mais stand-up en caleçon, mec il redoute que ça. Il a redoute que lui, hein. Moi je cherche l'entertainment, moi. Moi j'ai envie de me faire catapulter, moi. Ouais. Moi j'ai envie de me faire catapulter maintenant. Moi je vais monter à 100 mètres de haut. Thomas Pesquet, on arrive. Hey Nico, on rigole. Mais là tu dois te trouver un partenaire, hein, et ça sera ni Charles ni moi. Hein. Je te trouve un passant, n'importe lequel. Bah attends. Ça va les chefs, tranquillement? Ça vous intéresse de faire ça ou pas? On a trouvé quelqu'un. Tu t'appelles comment? Sarah. Bah là, Sarah, cette fois-ci, tu seras dans la vidéo avec Nico dans la catapulte. Ciao mon Charlie! Salut Nico! Profite bien! Hey, direct, pour une fois que je mange pas du piment en vrai! Mais serein, hein! Tranquille. Moi perso, je sens que ça va le faire. C'est dans la tête. Allez! Wouah! Il va la retomber! Wouah! Elle est en train de kiffer là! Oh, je sens que je vais me déconnecter! Heureusement que j'étais pauvre avant! Et ça pousse d'un coup, hein. Là, ouais. Il doit être en train de kiffer, là. Regardons sa tête. On est perché, on est coffré, là. Ouais, franchement, ça va, hein. Ouais, Nico! Bravo! Nico, maintenant, on fait ça. Bah alors là, c'est mort. Mais ça, je vomis, ça. J'ai tellement peu l'habitude que ça m'a tellement appuyé. Arrête! Il a dit la vidéo, elle a pas marché. Comment ça, mon ref? Il faut voir qu'on refasse la vidéo, parce que la carte SD, elle était corrompue. Comme une scène de déjà vu, ça, hein? Ouais, Nico! C'est vraiment pas mal comme défi, hein. Oh, y a un moment, je savais plus où donner de la tête! T'as kiffé, hein? Ah, franchement, c'était pas mal, mais y a un moment, ça tirait tellement.
frère, j'ai lâché des cris de ça. Écoutez, j'ai bien souffert. Donc là, j'ai le petit papier entre mes mains. Voilà, ça sent pas ça, bon. Ça, c'est pour moi, ça. Ah ouais? Il est pour Charles. Mon petit Charles, tu préfères... Quoi? Dormir dans le pire hôtel de Paris ou dans le meilleur, mais... Je vois, il est trop content. Moi, sur ce coup, je vais dans le meilleur, hein, tranquille. Hein. T'es sûr? Bah, ouais. Dans ce cas-là, bah, je vais dormir dans une tente dehors, quoi. Mais dans le meilleur hôtel. C'est la classe. Bon, bah, let's go. Hein. Bah, on y va. Mais nous, on va pouvoir profiter de l'hôtel. Non. Quoi? Quoi? Attends. On l'a dit vraiment en synchro? Ça serait pas toi qui va dormir dedans par hasard, la main magique? Voilà, c'est ça, il veut se la garder. Sinon, on dort avec toi. Eh, on dort avec toi ou? Ouais. Yo! Ah merde. Je vais le bloquer. Ah ouais, mais t'as vu, il est pas là aussi. Okay. 3, 2, 1, go. Hein? Attends. C'est un Airbnb ou? Oui. Pas mal l'appartement que t'as acheté, Charles, là. Oh là là. Mais à quel moment tu rentres dans une chambre d'hôtel par un instant? Nico. La caution. Oui. Oh là là. Tu veux voir? Oh. Wow. Non, là, c'est une folie. Ah, c'est déjà là, tu peux cracher sur les gens. Oh, Charles, il y a ton lit. Oh, la classe quand même. Non, non, non. Non, mais vous allez pas être dans la chambre et moi, je suis là-dedans. Regarde, là, c'est pas mal. Là, je suis en train de me rendre compte que là, il y a une chambre de luxe que je vais pas en profiter, quoi. Oui, ouais, tu vois, toi, tu veux faire de la story, toi, hein. Eh, il faut renta, on renta. Il envoie les photos aux meufs. Oh. Aïe, ça fait quoi ce soir? Attends, on peut quand même voir ce que je loupe. Oh, je vais les récupérer, ceux-là. Même la salle de bain, elle a l'air d'être incroyable. Mais Théma, ça donne envie de se mettre nu devant les gens. Regardez-le. Le contraste. Il est rentré dans l'hôtel comme ça, les gens de l'accueil le regardaient avec un... Ah, frère, je me suis fait dévisager, mais... Il y a des pièces cachées, Hugo. Je crois que c'est l'ouverture du monde de Narnia. Attention, 3, 2, 1... Espèce de pute. Regarde-moi sa carata, il a encore peur, c'est très grave. T'as vu que c'était bien fait? Attends, l'endroit le plus important. Oh là, j'en ai fait des toilettes. Mais Théma, il y a un couloir carrément. T'imagines une classique qui pourrait poser dedans? Mais là, je vais le poser, hein. Mais vas-y, direct. Oh, bah en vrai, je vais être bien ici, moi. Par contre, je réalise quand même, je paye hyper cher une nuit d'hôtel pour dormir dans une tente. C'est pas mal, hein. Avant que je profite de ma nuit, il reste des trucs à faire. Oh oui. Non, on a terminé, c'est bon, on finit sur ça, non? Non. Moi, je pense que Hugo, il est grand temps de te demander si tu préfères commander le pire Uber Eats de Paris ou le room service, mais... Moi, je suis un gars, tu sais, je commande beaucoup sur Uber Eats. J'ai envie de voir le pire Uber Eats. Et nous, Nico, je te propose... Oh, vous allez voir un. Qu'on se fasse un petit room service ici, on va voir la carte. Oui. Allez, décale-toi, s'il te plaît. Allez. Là. Donc, le restaurant où je vais commander, on a Grégory qui a laissé un commentaire. Littéralement, le tacos le plus horrible que j'ai mangé. Merguez limite cru. C'est ce qu'on voulait entendre. Merguez limite cru, faut le faire. Goût infect, immangeable, 3 petits points à éviter. Dina, à ne surtout pas commander. À peine terminé le sandwich que je file aux toilettes, sûrement dû aux produits qui ne sont pas de qualité. Non, sérieux, moi je dois tourner, hein, et tout demain. T'inquiète. Ouais, mais tranquille. Mais regardez rien que la photo. Bah, il est beau. Ça te donne envie, ça? Bah, bien sûr. Moi, je vais faire comme quand je prends un tacos normal. Non. Moi, je pense que tu devrais goûter la merguez. On va goûter. Je vais tomber malade. La merguez. Ok, donc attends, on va résumer la composition de mon tacos by Nico. Attends. Donc, petit tacos double avec merguez cordon bleu, histoire de faire couler tout ça, Biggie poivre, accompagné de son petit supplément de maïs, accompagné de son petit cookie sans photo, et bien évidemment des petites nuggets au choix. Nickel, hein. En attendant nos commandes, j'ai le dernier génial mets de la journée. C'est le génial mets ultime. Je me demande qui ça peut être, tu vois. Au hasard. Nico. Bah, bizarre. Tu préfères faire le pire tatouage de ta vie ou un super tatouage, mais dans les deux cas, il est nickel. Dans les deux cas, gros. Comment ça? Mais j'ai jamais fait, moi. Bah, ce sera la première fois. C'est quoi cette prise d'otage? Pour moi, c'est vraiment le pire dilemme des dilemmes. Parce que je n'ai jamais voulu faire de tatouage et j'en avais jamais envie d'en faire, tu vois. Bah, en vrai, quitte à avoir un tatouage, je préfère avoir le meilleur. Hein. Allez, c'est parti. Tu veux savoir c'était quoi le mec? Vas-y. Sur tout le corps. Pardon? Ah ouais, c'est parti. Vas-y, let's go. On arrive, hein, Nico, tranquillement. Mais comment ça? Bonjour, monsieur. Comment ça, bonjour, monsieur? Ça fait combien de temps que vous faites ça? Hein? Le gars nous a ramené un catalogue. Mais attends, il est sorti d'où? C'est Spider-Man ou quoi? Il a grimpé au truc. Allez, on te laisse accueillir Bernard. Tranquille. Il est où? Il est là. On va pas te faire un vrai tatouage. Aïe, le ramadan.
Aïe aïe aïe. Par contre, regarde, on a des beaux trucs, hein. Ah, c'est stylé ça, l'aigle, le faucon de la destinée. Par contre, le seul problème, tu t'en doutes, c'est qu'on avait dit partout. Et tout à l'heure, t'as parlé de quoi? Du ouais. Visage. Arrête, arrête. Ça dure 3-4 jours. Mais en plus, faut se laver. Tu te laves? Bah non, c'est pour ça le problème. Une belle petite fleur là. En plus, demain, je dois retourner à la salle, ça va être sympa, tu vois. Moi, j'ai un troisième œil pour lui. Oh non, celui-là, il tue. Bon, bah, on va attaquer, hein. Wesh. Ah, je le sens pas, la rose, hein. 3, 2, ça marche, 1. Waouh! Wesh! Aïe, 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 aïe. 3, 2, 1, go. Arrête! Il est pas centré! Il est dégueulasse! Mais tu l'as même pas fait droit! Mais attends, Squeezie, il a le même. Ah ouais? Le Goat Squeezie a le même? Bah, c'est validé, je vais le garder, lui, alors. Je peux me guetter un petit peu. Moi, je t'ai vraiment fait un truc, je le porterai. Mais attends, celui-là, il dépasse un peu. Non. Pa, pa, pa. J'ai tellement faim. Ouais, moi, j'ai faim, là. Eh, hey, se faire tatouer, ça creuse le ventre. Oh là là. Et toi, Hugo? J'ai plus faim. Ah, regarde, je vais t'aider. Oh là là, oh. Opening. Oh. Oh, les petites nuggets. Oh, les nuggets, elles sont terrifiantes. Oh là là, le fameux cookie. Oh. En vrai, ça va. Aga, tiens, ouais. Je te passe ton petit pamplemousse. Ouais, le petit jus pressé, c'est du vrai jus, hein. Non, mais ça va être bon, ça va être bon. Non, mais ça va être bon. Moi, ça va, il y a la sauce qui rattrape, là. Moi, ça le tabasse, ça, en vrai. Ça va. Moi, j'ai trop envie de goûter, ça, regarde. Oh là là. Oh, c'est bon. Oh, c'est quand même pas mal, les mecs. Moi, je regarde en intérieur. Oh, c'est dégueulasse. Oh, la merguez. Oh. Wow. Mais elle est pas normale, la merguez, là. Elle est vraiment crue. T'as aussi ton cookie, n'oublie pas. Ouais, ça va, j'ai mon dessert. Ouais, c'est un cookie... C'est un cookie béton. Mec, ça ne peut pas sentir mauvais, un cookie, même si tu le rates. Ouais, je pourrais, il sent la poussière. C'est ça, il sent la poussière. Ça n'a pas le goût d'un cookie. Nous, on a un cheesecake, passion, crumble. Ça a l'air d'être incroyable, cette histoire. Waouh, comment ça sent bon. Ouais, comment ça sent bon. Ça sent bon. Ouais, ça sent archi bon. Rends ça, s'il te plaît, chef. Bah moi, après ça, je suis pas ta même. Toi, faut que t'ailles te reposer un petit peu, non? T'as une belle nuit là, attends. Vous dormez là, vous? Mais nous, on doit profiter du lit à deux, hein. Et en vrai, il caille un peu quand même, hein. Et ouais. Et je suis bien quand même à l'intérieur, j'ai un petit tapis de sol, chauffant. Regardez la cabane de luxe. Oh là là. Oh là 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 là. Papa. J'ai du mal à croire que je suis dans un palace 5 étoiles et en même temps dans une regarde, tente. Là, on est bien là. Mais nous Nico, tu sais quoi? On va être mieux là-bas. Ah, on va aller s'installer tranquillement. C'est hein. On se laisse. À demain. Merci pour la journée hein. On va kiffer. Bonne soirée hein. Salut Charlin, bonne nuit. Oui, c'est frisqué en vrai, on va. Putain, en vrai, il caille hein. Et surtout, il y a des bruits de zinzin. La nuit va être compliquée hein. Et donc, vu le temps que je suis dans ma tente, à mon avis, ils doivent dormir maintenant. J'essaie de rentrer. J'en peux plus, il fait trop froid. Oh non, ils ont fermé. Bon bah, tu peux cliquer ici si tu veux voir une autre vidéo. Hein.